essayons de réfléchir un minimum. Voyons voir. Je pense que ça ne tient pas debout et je crois même avoir la preuve de ceci. Oui, on remercie la caméra cachée pour cela. Exactement. Tu le savais autant que moi d'ailleurs. Tu étais au courant que la traite est fausse. Qu'en dis-tu, Hamter? Encore. Ça va au moins être la troisième ou quatrième fois que cette affaire prend le temps de lui. Ouais, absurde, vite dit. Ouais, non, ça m'étonnerait vraiment beaucoup. T'as trop des preuves. Ouais, vas-y, ouais, exactement. Chose que tu peux, ne peux sans doute pas faire, hein. On le sait. On échange les rôles. Tu vas voir, c'est trop bien. De quoi tu parles? Et maintenant... Oula. Original, c'est-à-dire. Ah oui, bien sûr. Exactement. Oui, qui est-ce? C'est une blague, j'espère. Voilà, c'est bon. On est en train de comprendre. Le juge comprend. Pas vraiment pour éviter. Qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Tokiwoki, ça, c'est une représentation beaucoup trop grosse d'un Tokiwoki. Effectivement, là ça veut tout dire.
On fait pas les retournements scénaristiques, ça me connaît. L'animation quand même de l'enceinte qui agit comme une bouche est très bien faite, je trouve. Et ben voilà, problème réglé, on sait qui est le tueur. Jusque là ça va. Que va-t-il nous dire? Nous allons savoir maintenant. Quelle philosophie! Ha! Lol! J'ai le choix? Bon, je suis parti pour attaquer tout ce qu'il dit. Ah oui, en fait, petite précision. Dû à un petit problème de sauvegarde, j'ai dû me refaire, alors pas tout le jeu, mais juste la deuxième partie de la troisième enquête et la première partie du procès. Donc je suis légèrement raté sur le procès. Ce qui fait que ma barre a un petit peu descendu. Ça se tient en même temps. Évidemment. Position mes fesses. Ça te fait rabaisser tout ton ego. Évidemment. Très bien, très bien. Alors essayons de comprendre ce qu'il veut dire. Pour cela, il va falloir comprendre, effectivement. Voyons.
déclaration, il y a quelque chose, mais s'il fallait, et j'ai bougé mon micro comme un con. Voilà. Ah, ce n'est pas la même chose. Exactement ce que je pensais. Eh oui. Trop de suspense. Twist scénaristique. Twist scénaristique de fou. Tu veux ça, le twist scénaristique de fou. Le twist, c'est trop bien. Attends. Ah donc du coup, ça veut dire que si je libère, ouais non c'est complexe, c'est chiant, ça me fait chier, voilà. Ça me fait chier de comprendre. Mais c'est toi qui es Wookie, il est trop gros. Ah bah oui, ah oui, un métro, hein, évidemment. Là tu m'étonnes. Oui bien sûr, qu'est-ce toi. Ah tu m'étonnes. Si je perds ce procès, je me le pardonnerai jamais aussi d'ailleurs. Remarque, si je le perds, je m'en fous. Que faire? La laisser s'empêtrer? Ou bien la défendre? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout quoi faire.
réflexion intense. Je vais quand même arrêter, tu m'étonnes. Je vais pouvoir être psychique. Mon psyché incroyable. Que dois-je faire? Je vais prolonger le procès, évidemment. Même la musique est d'accord avec moi. Même la musique est d'accord avec moi. Parce que Phoenix avait dit il y a quelques secondes, si je gagne le procès, je ne me pardonnerai jamais. Ce qui veut dire qu'il y a un twist scénaristique incroyable. Et ouais. Anashishiyun, même. Je fais des références à des jeux qui n'ont aucun rapport. Indéniable. C'est confiance. La confiance? Mais qu'est-ce donc? Temps de travail, c'est d'écouter et de donner ton avis et de dire si quelqu'un est innocent ou pas. Donc, je suis important, tu te tais. Un miracle. Ah putain, les miracles, tu m'étonnes. Rappelons monsieur de Killer. Eh bien, non. Personne n'aime les tribunaux. Manipuler les preuves. Il y a un truc qui va pas là-dedans. Enfin, quelque chose, mais quelque chose d'étrange. Qu'est-ce qu'il y a d'ailleurs? Dans ton cul? Sans ton doigt? Parce que... abonde, oui, ils abondent surtout d'un mensonge. Sur cette phrase, quelque chose ne va pas. Si je me souviens bien, dans l'un de ses témoignages, elle pensait que Corrida était en train de dormir. Solide en passant, elle avait même fait une action. Cette action était
ce verre de jus de tomate. Un verre, et pas n'importe quel verre, le verre de tomate. Non, absolument pas. Tiens donc, tu commences à perdre tes moyens, j'ai l'impression. Oh oh, cela contredirait pas mal de choses. Étrange. Je n'en vois pas l'intérêt, tout simplement. Objection ! Oh, tu m'étonnes. Dans un bar. Dans un bar. C'est une blague, j'espère. Parce que un tueur professionnel recherché qui se monte dans un bar. C'est le foutage de gueule. Ah mais tellement. Ah bon ouais. Les précisions. Insiste-je ou n'insiste-je pas? Bah j'insiste, hein, tu vois. Des précisions. Oui, le principe, évidemment. Je sais, tu l'as dit. Droit dans les yeux de dire, je te trahis, je te bute, ta famille, ta maison, ton chat, et toi après. Une quelconque importance? Aucune importance. Les vrais vous offrent une fausse frayeur. Là oui, là je veux bien. Exactement. À ton avis, pourquoi? Je te laisse deviner. Sauf que tu viens de te faire avoir. C'est con. Tu vas prendre ta branlée. Objection !
Oui, alors, comment définir pourquoi j'ai fait ça? Ben, c'est en même temps simple, en même temps complexe, en même temps tout con. C'est un mensonge! À ton avis, si vous avez bien lu la dernière phrase, vous pouvez vous dire pourquoi j'ai fait ça. Je répète, il a dit, il est digne de confiance. Je vous laisse 5 secondes. Voilà. Maintenant, Phoenix, à toi de nous exposer pourquoi j'ai fait ça. Une erreur de pronom à propos d'elle. Voilà. Ah, il s'en est rendu compte. Évidemment. Oui, en allemand est une femme. Pour le personnel de femme, elle. Évidemment. Qu'est-ce que c'était que cette animation de démontage de Tokyo Monkey? Oui, ça m'a l'air simple. Exactement. Oh là là, tellement de révélations. C'était de l'huile qui coulait. Il y avait un truc qui coulait, c'était dégueulasse. C'est bizarre cette animation. Ça fait peur. Oui, vous ne le savez peut-être pas, André est en Chine. Moi, je l'ai appris il y a 2-3 ans. Non, vous avez appris quelque chose avec Phoenix Wright. Le français. Et encore du français. Androgyne. Vous pouvez le sortir à n'importe quel dîner. Oui, évidemment. Je t'en prie, allez, vas-y, enfonce-toi. La vérité, rien que la vérité, je le jure, j'aurais craché. Sur la Bible. Ouais. 2 ou 3 petites choses. Je vais insister. Ça me l'a l'air étrange. On doit se douter de rien. Je pense qu'il se doutait quelque chose. On est dans la merde depuis le début. Parcourir, mais n'importe quoi. Insistons sur ces petites choses. Étranges, d'ailleurs. Je laisse tomber. Mes fesses, j'aime prendre des risques. Qu'y a-t-il? C'est vrai. Ouah, putain, regardez-moi cette animation de fou. Mmh.
le fait que tu sois un tueur à gages enlève toute confiance pour moi. En plus, regardez, il redevient calme. La figurine en forme. Comment cela ? Oui, où se trouvait-elle ? Je demande à ce que cette phrase soit ajoutée à la déposition. Merci beaucoup. Sauf que, en fait, il y a un truc qui me chiffonne. Quelque chose me chiffonne. Prise de risque. Dans cette prise de risque. Incroyable, mesdames et messieurs. Oui, ceci. Mais c'est simple pourtant. Flashback. Exactement. Dis-je sur une musique épique que j'entends dans ma tête. Eh ouais. Eh ouais. Et là, comment tu fais? Vas-y. Donne-moi une bonne raison. Oui. Que voulez-vous? Je me suis présenté en traite, je vous ai posé une question. Accord. Quel accord? Il n'y a jamais eu d'accord, d'ailleurs. J'ai pas dit mon dernier mot d'ailleurs. Je suis en train de craquer psychologiquement. Je suis mort à l'intérieur. Je suis mort à l'intérieur, oui, monsieur le juge. Je ne peux rien faire. Attends non plus. Donc qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Oh le dieu. Non. Voilà. Très bien. Ce point. André, alors André. Mon dieu. Elle est là. Elle flippe. Oui, votre mère. Exact. Flambe, je suis salamèze. Ah, salamèze. Je suis encore le temps, je suis encore l'idée. Tant mieux. La fête, c'est génial. Salut espèce d'enflure.
Et pendant ce temps, dans sa schizophrénie... Très bien. Je vais devoir donner mon avis. Un choix. Rouge, d'accord. Ok, c'est magnifique, ce rouge, c'est bien. C'est beau, on l'a vu. Ma conclusion. Alors. Oui, bien sûr. Tu peux rêver. Il est coupable, voilà, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Pour l'instant, du bruit derrière moi, c'est super. Bah, c'est quand tu veux, hein. Objection. Ah mon dieu, quelle image! Quel twist! C'est le deuxième au nom de cette affaire, de cette deuxième partie de procès. Oui, je sais. Merci. Pour une fois, ça m'aide. Oui, j'espère pour lui, j'espère que tu lui as pas fait plus. Un sac incroyable. Ah, c'est imperméable. Ah oui, j'avais oublié. Bon, c'est rien. Ah oui, montre-moi ce qu'il y a dedans. Exactement. Alors, je sais, ça peut paraître dégueulasse comme ça, mais on trouve des choses intéressantes. Attention. Bah, même si même on t'aurait d'accord, alors là, que faire de plus? Tant mieux. C'est génial. J'aime ça. Trois pièces à collection. Pas un item ni quatre, mais trois. J'espère qu'il y a quelque chose d'intéressant. Un pistolet. Utile. Mais attention, je demande des précisions parce que j'ai un doute. Ah oui, évidemment. D'ailleurs, tu n'as pas de... attends. Alors, il y a un... Désolé de vous déranger, mais en fait, si elle t'attire dans l'épaule, devrait y avoir un trou dans ton imperméable. Ah mais non, mais tu es parfait, tu l'as sans le cousu. Mais t'en as racheté un autre. Ah bah c'est bien, c'est cool. Bon, déjà ça, donc tentative de meurtre. Hein, c'est bien. C'est très bien. Cassette vidéo.
suite à cette vidéo. À précision, s'il vous plaît. Ah bah oui, les trous. Ah bon? Comment cela? Ah bah bien. C'est tant mieux. J'ai beaucoup trop de preuves. Une chambre de boum. Ah, c'est con ça. Oh bah voyons. En plus. Ah bah là. Quel bordel. Je suis pas sûr. Des gants. Un bouton. Non. Oh. Wait. Non. Pas sérieux. Attends. Ça a l'air tellement ça. Oh putain, ça a l'air tellement ça. J'ai pensé mais direct en fait. Bon, c'est bien. De quoi? Pardon? Comment cela? Non mais tu te fous de moi, j'espère. Non mais c'est une putain de blague. Refusé, mais je vais te coller des baffes. Comment cela? Oui, provoquer un miracle. Tu sais, je vais claquer les doigts, faire une pirouette, et tu vas voir, il va y avoir un miracle. De façon, mais si t'es aussi forte, moi je me barre et je te laisse. On peut faire comme ça. Complètement tordu. C'est encore plus tordu. C'est pas impossible, c'est complètement inespéré même. Ouais, alors pour ce cas-ci, je crois que c'est un peu foutu. Une perspective opposée, ça veut dire que je dois retourner la situation. Ou inverser, hein, voilà. Moi. Bah moi, évidemment. L'accusation. Un miracle, si tu le dis. Objection! J'objectionne. Troisième retournement scénaristique. Je les compte, les retournements scénaristiques maintenant. Bah tout à fait. Ah bah en fait il est trop sympa ce juge.
Il faut que je me souvienne. Ça va être génial, j'ai aucune mémoire. Et qui se... Oh la question de merde. Oh la question d'Obé. D'Obé du cul même. Ah oh bah alors là, la pièce de conviction, elle était extrêmement simple, ça a été cette vidéo. Oui, une espèce de grand truc dégueulasse. Je parie qu'il y a la fin. Eh, attendez, ça va être fait, monsieur. Gardez votre calme. Oui, et importante d'ailleurs, hein, vous allez voir. Alors là, ça va être génial. C'est le schnapps. Non, c'est beau, c'est un beau geste. C'est bien. Oui. Alors, dis-moi, sais-tu ce qu'il y a sous cette cassette? Ah, et ben voilà. Ah là là, tu es sur cette cassette. Oui, hélas. Sur cet ours, le seul qui reste en couleur, alors que les autres sont devenus en noir et blanc. Ah, je sais, ça fait un choc. Eh oui. Ah oui, on se demande. Alors, tu vas voir, la réponse est super drôle. C'est ton client. Monsieur le juge, la ferme, s'il vous plaît. Oh, comme on le dit, votre client, voilà. C'est ça, on est d'accord. Voilà. Voilà. Ça se comprend. Je te comprends, sache-le. Oui. Eh bien, il me l'a dit. Il me l'a dit. Ah là là. Alors, non, mais Phoenix, s'il te plaît. La réponse est simple. Il voulait te faire chanter. Regarde, il m'a dit, je cite, après avoir déverrouillé sur psyché, mais ça c'est complètement, c'est hors sujet. Et voilà. Est-ce que cette preuve vous suffit amplement? Voilà, voilà, hein. Bon, après c'est ce qu'il m'a dit. Voilà, on peut visionner la cassette si vous voulez d'ailleurs. Avec confiance. Faites mon câble. Destruction psychologique. Allez oui. Ah là là. Remarquez, je pense que d'autres gens le font dans la vraie vie. Ils n'osent pas le dire, c'est tout. Est-ce que votre client est un traître alors? Vas-y, donne-moi une réponse. J'abre... Oula, attendez. Oh. Ah, abroger, ça veut dire rompre, d'accord, c'est un synonyme. Apprendre le français avec Phoenix Wright est bien sûr enrichissant. Ah, évidemment. Oh. Évidemment.
magnifique fond rouge d'ailleurs. Bien. Remarquons que c'est une punition assez adéquate. Oui, monsieur le killer. Eh bien. Ah, merci. Ok, je regrette. Gardez-la, tout de suite. Regarde, gardez-la, je veux plus la voir. Vous la noircez de rigueur deux fois par jour, c'est tout. Je veux pas la voir. Précieuse possession, ouais. C'est vite dit. Est-ce que c'est la fin? Ça y est. Quoi? Tiens donc, monsieur en garde, vous avez un nouveau visage. Ça alors. C'est étrange. Non, je ne t'aiderai pas. Ah, c'est complètement mort. Tout à fait. Est-ce que c'est fini seulement? Est-ce qu'il y aura un quatrième twist scénaristique? Je plaide un coupable! Voilà, voilà. Voilà, voilà, voilà. Oui, c'est dommage, mais voilà. J'ai perdu une affaire, c'est vrai. Mais quoi, un palmarès sans échec? Ça n'existe pas, voyons. C'est une légende urbaine. J'attends ta destruction psychologique. Voilà, griffe, tout va bien. Meurt de décès. Ah ah, t'es drôle. Tu m'étonnes. Évidemment. Oui, complètement. Moi, je suis totalement d'accord avec ce que Hunter a dit là-dessus. Oh, elle sourit, c'est mignon. Musique joyeuse au bonheur. De rien. Alors, mes honoraires vont s'élever à un certain tarif. Vous en faites pas, vous les recevrez sous peu. C'est fini. Oh oui, enfin, après tant d'attentes.
Eh oui, c'est vrai. Est-ce que tu peux rendre le corps de perdre maintenant? Parce que... voilà. Je me souviens... La bite sur ton front, ça te bat? Exactement, c'est vrai. Oh putain, tu viens de tout niquer, Hunter. Super. Ah, évidemment. Oui, c'est bon, mais arrête de faire... de trembler le texte, c'est horrible. Ouais, mais alors, tu enlèves cette image, que tu penses? Chien à bon coup. Qu'est-ce qu'il y a? Oui. Ah, salut, toi. Bon, ça me fait mal au cœur, mais je te remercie, hein, ouais. Eh merde, je le savais. T'as pas écouté en fait ce que j'ai dit pour... Ah mais t'étais plus là sans doute. Ouais. Bah oui. Où est le problème de perdre? Si je... Attends. Mais tu ne comprendras sans doute pas. Dommage. Hunter comprend, il a perdu au moins 4 fois. 3 fois. Non, 4. Il a perdu un certain nombre de fois, voilà. Souvenir. Et puis après je l'ai rebattu, après je l'ai sauvé, et après je l'ai rebattu. Vérité, car vous le savez comme moi, il n'y a qu'une seule vérité. Je sais. D'ailleurs, les procureurs, ils sont chiants. Bah comment dire ça? Il y a des années, genre il y a longtemps, placement de pub, regardez celui que j'ai fait sur le premier 7 ornais.
Oh, tu te calmes, toi. C'est pas Van Karma d'ailleurs. Voilà, juste. Mais ça a jamais été l'un des vôtres. Mais est-ce que tu dis est complètement stupide? Ce que tu dis là par contre est étrange. Et mais te barre. D'accord. Ah oui, c'est pour t'activer évidemment. Et ça, c'est son fouet. Ah, je l'aurais pas pensé comme ça. J'aurais pensé plus bleu. Oui. D'accord. Salut. Ça va, tranquille. Ah, quelle magnifique image. Ah, c'est beau. J'ai l'impression d'être avec ma fille, ma petite fille. Je me sens vieux d'un coup. Ah, trop facile. Je n'ai jamais douté. Lol, je dois défoncer. Laisse-moi lui nez, c'est ton ventre qui vient de gâcher ce moment de réjouissance totale. C'était un bois d'ailleurs à fond, c'était génial. Oh, c'est terrible, c'est une gamine de 8 ans qui te le dit, quoi. Mais un marqueur. Notre fils, de quoi elle parle? De quoi elle parle? Je fais quoi? Ah oui, ce festin. Évident. Oula, poil suture, je dirais. Un poteau de téléphone. Oh là là. Oh, faut le faire. Oh non, pas toi. Toi, tu dégages. Je veux plus jamais te voir. Toi, je te supporte. Ça va encore. Mais toi, je veux pas te voir. Ah tiens, oui, ce n'est pas le même. Est-ce que j'ai tout... Oh bah... Ah oui. Effectivement, c'est un nouvel appareil photo. Il n'y a aucune différence. Ce n'est absolument pas le même. Tu m'étonnes. Photo, même pas. Eh ben ouais, il y a Van Karma. Oui, je le regrette d'ailleurs. On marque juste avec la cassette, j'aurais pu le faire. Comment ça, 4?
Un twist scénaristique. Quatrième peut-être. Bon, je ne sais pas ce que c'est, et puis quand même. Ça fait un dessin. Un dessin! Est-ce que la quatrième preuve, ce serait pas le dessin, par hasard? Je sais pas, au pif. Oh non, oh non, oh non, pas elle, je veux pas la voir, je veux pas la voir, je veux pas la voir, je veux pas la voir. Il y a beaucoup trop de mystère là. Il y a encore un plus. Je suis sûr que si je me fais une farce, il y a une cinquième affaire. Je suis sûr que c'est une blague. Bon. Tu attends, tu bouges pas ton cul, tu manges. Le fouet? Je vois pas quoi ça peut me servir. C'est un fouet. Et moins de karma, évidemment. Trop. Ouais, ton travail. Mais dis quoi. Voilà, voilà. Bon! J'ai été sympa avec toi pour l'épisode 2. Et celui-ci, maintenant tu vas la fermer ou je te trucide. C'est embarrassant et ça m'énerve. Ah, ça me fait chier. Voilà, voilà. Je sais pas. Oh, est-ce que je vais devoir parler dans le micro qui marche pas? Je vais devoir parler dans le micro qui marche pas, ça va être chiant. Ça va être chiant, ça va être baise. Ça va être tellement la baise. Est-ce que je vais mourir de décès? Eh merde. Je vais devoir parler dans le micro qui marche pas. Je vais devoir le dire. Merde. On est parti pour une ellipse. La bouteille grecque. Alors, je vais tester voir si ça marche déjà comme ça. Objection. C'est la baise. Bon, bah, je vous retrouve dès que je peux. Je viens de trouver comment résoudre le problème de l'objection sur Desmond. Mais ça me fait chier. J'ai trouvé par hasard. J'ai plein en gros entre le moment où j'ai coupé et ce moment-là, il s'est passé environ 1h30, 2h où j'ai cherché sur différents forums, sur le site de Desmond dans la FAQ comment régler le problème. Alors je tombais sur des solutions un peu logiques d'après ce qui était mis. Pour moi, c'est quand j'ai essayé, c'était de la merde en boîte. J'ai trouvé la solution complètement au pif. On appuie sur un bouton. Donc en gros, je vais vous montrer vite fait. Dans Hotkey, juste ici, il y a une touche microphone. Donc microphone, on va dire interne sur le logiciel de Desmond, qui en fait fait un bruit sec d'après ce que j'ai entendu. C'est
un bruit qui dure une demi-seconde, comme si vous parliez dans le micro de la DS. Je l'ai réglé sur le clavier numérique numéro 9 de mon PC. Sauf que le jeu a décidé que non, ça a été sur notre touche. Alors il y a plein d'autres solutions, il fallait télécharger des fichiers WAV en 8 bits, qui durent à peu près 3 secondes, qui dépassent pas tel poids. Donc du coup, là, on va faire comme si c'était rien passé. Je vais dire l'objection, on va tous rentrer dans le vif du sujet et on aura la fin du jeu. Objection ! Voilà, problème réglé. Ah, enfin fini le jeu. Je ne sais, alors actuellement je sais pas combien de temps j'ai mis pour le finir. Honnêtement, je ne sais pas combien de temps. Bah je vais chercher si je vais pas chercher. Je mettrai en annotation. Alors Phoenix Wright et Satan and Justice for All, que dire dessus ? Que dire dessus ? Il y a un nouveau concept, il y a des nouveaux personnages, il y a deux nouveaux gameplay qui sont bien menés. Le premier qui était de présenter les profils, qui est amené, et on apprend. Qu'est-ce que tu me dis, Perle ? Perle, tu sais, t'as pas retenu ce que je t'ai dit, bref. Le fait de présenter les profils comme pièce à conviction durant les enquêtes et les procès, je trouve ça pas mal. Donc nouveau gameplay plutôt bien amené. Seulement le deuxième gameplay, nouveau gameplay même, qui est avec le Megatana, qui vient en fait à un moment complètement inopiné, je veux dire, et qui nous sert pour les affaires 3 et 4 en entier, mais seulement une partie du 2. Ouais, il me semble que c'était une partie du 2. C'est bien. Je trouve que c'est mieux amené pour en parler plus sur le personnage. Mais je considère personnellement, de ce que je m'en souviens, je crois, il est amené un petit peu tard dans l'affaire numéro 2. Alors je sais plus si c'est première enquête ou deuxième enquête qu'on a accès à ça. Bon, pour les followers, Perle. Alors ça ajoute une touche d'innocence, c'est mignon. Mais je pense que les développeurs ont un petit peu trop forcé sur l'innocence. Voilà. Sinon les nouveaux personnages sont bien. Francisca Von Karma. Alors Von Karma, je ne pensais pas. Dès qu'on m'a dit tout de suite le nom, je pensais que c'était le père qui était libéré, mais c'est sa fille. Qui a pas du tout l'air de sa fille même. On aurait peut-être dit, je sais pas. On aurait dit notre personnage, mais oui, ça mène bien. Des twists scénaristiques comme quoi Hunter est mort, mais en fait il revient. Et contre qui on se bat à la fin. Ouais, plutôt bien. Les affaires. Alors, première affaire, on va dire qu'elle était pas assez simple, mais assez spéciale. La deuxième affaire était un peu plus complexe niveau du côté dans le monde de la psychisme, de l'occulte et tout ça. Mais c'était assez tordu quand même. Dès la deuxième affaire, c'est un peu tordu. La troisième affaire était... troisième affaire, oui, celle avec le cirque. La troisième affaire était un peu plus complexe. Donc, ça l'est encore. Mais la quatrième, celle-là, un petit peu plus simple, je dirais. Voilà. Je vais dire autre chose par rapport, je sais plus quoi, ça va me revenir. Ça va me revenir. Oui, le fait que les procès se passent en deux temps. Ça, c'est quelque chose dès le premier épisode qu'on nous met dans l'ambiance. Alors, ça rajoute un peu plus d'histoire, plus de développement. Donc,
je dirais que oui, ça amène un peu plus de longévité sur le jeu, mais cette longévité, ça, comment dire, ça atténue l'attention du joueur. Avec on joue beaucoup, mais ils ont volontairement joué sur le fait de plus jouer sur les procès, que ça engage un petit peu l'expérience, je trouve. Donc pour moi, une note 15 ou 16, 15 voire 16 avec les nouveaux concepts de gameplay, ce qu'ils ont innové. Voilà. C'est tout. Magnifique Tokiwoki qui se détruit. Ouais. Ah sinon je joue à Shinji Mikami. Monsieur Resident Evil et The Evil Within. Producteur exécutif, c'est la moindre des choses. Et nous avons droit au dernier trigger du jeu. Et je me tais pour celui-ci. Thank you.
une fin en apothéose. Tout ce que j'ai à dire. On apprend tellement de choses sur la fin. Von Karma qui brise sa coquille de femme froide et colérique pour laisser place à une jeune fille seule et désespérée. Ce quatrième indice qui veut tout dire. Ah là, rien que pour cela, je vais faire une nouvelle partie pour voir l'artwork. Et c'est Benjamin Hunter, avec la boîte à bijoux de Killer qu'il remet au samouraï d'acier. Eh bien, c'est sûr, ces quatre magnifiques artworks que nous allons nous quitter sur cette fin incroyable. Rien que pour cette fois, je mettrai un 16 à ce jeu, qui est magnifique d'ailleurs. Le jeu est magnifique. La licence Phoenix Wright doit continuer. Et elle continuera. Merci à tous de l'avoir suivi en ma compagnie, même si elle a un peu duré, je sais. J'espère que cette aventure vous aura plu autant que je l'ai apprécié pour moi et pour vous. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire en dessous de cette vidéo en me mettant par exemple quelle a été votre meilleure expérience du Phoenix Wright Justice for All. Un twist scénaristique qui vous a surpris sans doute aussi. À liker la vidéo. Les autres vidéos que je fais si vous voulez en savoir un peu plus sur moi. Vous abonner si ça vous intéresse. Ceci étant la dernière vidéo de l'année évidemment. N'oubliez pas de me suivre sur Twitter @vasreus1. Bon jeu et à l'année prochaine.